Hey, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve à Shiroishi pour visiter le Fox Village. Il n'y a aucun bus pour aller au Fox Village, du coup, on est obligé de prendre un taxi pour aller là-haut. On se trouve là-haut, c'est parti. Fox Village, donc vous pouvez voir là autour de moi, il y a des renards partout, il y a de la neige, c'est super beau. Regardez, il y en a juste là. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va aller visiter tout ça. Donc on a pas le droit de les caresser, mais ils sont tout autour de nous. Donc allez, c'est parti. Donc on vient de finir le Fox Village, donc petit débrief. Donc le Fox Village, c'est un grand parc avec plus de 150 renards, avec plusieurs espèces différentes, plusieurs couleurs différentes. Et du coup, ils sont tout en liberté dans ce grand espace qui était aujourd'hui enneigé. Avant ce grand parc, il y a donc un espace avec plusieurs cages. Donc c'est des renards qui sont enfermés dans ces cages, donc ils sont seuls et donc les cages sont assez petites, ce qui est un peu la partie triste de ce village. Donc ils sont enfermés pourquoi ? Parce qu'ils viennent généralement de zoos, où ils ont simplement été exclus des autres renards et du coup ils peuvent pas vivre avec les autres, sinon on pourrait risquer de se faire tuer. Et donc ces animaux là, ils sont un peu destinés aux touristes, car comme je vous le montre maintenant, donc il y a cette espèce d'activité où on peut caresser les renards. Les renards qui sont enfermés dans ces cages, qui sont destinés uniquement à cette activité, donc ils ont quasiment été élevés avec l'homme et on peut donc les caresser, les toucher. Bien sûr, tout ça c'est une activité touristique, du coup c'est uniquement pour faire du profit.
Une fois, donc on peut voir, le staff donc amène le renard, le donne aux gens, seulement pour qu'ils puissent le toucher, et après il le ramène directement dans sa cage. Donc c'est vraiment un truc typiquement touristique pour faire du profit, pas forcément le truc idéal. Donc voilà, donc ça a deux parties, une partie très intéressante pour ceux qui veulent vraiment approcher des renards de très près, et l'autre partie un peu plus sombre où du coup les renards sont en cage. Une trentaine, quarantaine de renards sont en cage comparé aux 200 renards présents sur le site. Donc là on est revenu à Shiroishi, on va pouvoir continuer un peu la journée. On est près du château de Shiroishi comme vous pouvez voir juste derrière moi, on va aller visiter ça. Et ensuite on va pouvoir aussi visiter les résidences de samouraïs. Voilà, c'est parti.